Salut la team, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session d'entraînement. 800 répétitions, 2,8 km à réaliser. Eh bien, c'est l'objectif aujourd'hui de cet entraînement. Juste avant de vous expliquer le format, eh bien, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Pensez à activer la petite cloche de notification. Ça vous permettra de recevoir et d'être au courant de la diffusion des prochaines sessions d'entraînement. Si vous aimez, bien sûr, cette vidéo, likez-la. Pensez à me mettre des petits commentaires, à savoir un petit peu comment s'est passé l'entraînement. Moi, ça me permet d'avoir du feedback et de pouvoir éventuellement répondre à toutes vos questions. Une nouvelle fois, merci pour ceux qui ont déjà acheté nos vêtements. Vous pouvez regarder en dessous de la vidéo, il y a le lien de notre boutique. Vous pouvez commander t-shirt, pull, short, bref, il y a pas mal d'articles déjà disponibles. Il y en aura d'autres dans le futur. Alors aujourd'hui, on a un gros challenge physique. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel. On a besoin éventuellement d'une box. Et ça va être une succession d'exercices, d'enchaînement d'exercices à poids du corps. Donc, on va démarrer par l'échauffement. L'échauffement va être très simple. On va reprendre tous les exercices du coup qu'on va voir pendant l'entraînement du jour. Donc, on démarre, on va se réveiller un petit peu, d'accord? On part pour un 200 mètres. Si on ne peut pas courir, si on est à la maison, eh bien, on va pendant une minute, d'accord, courir sur place. On décolle les pieds, d'accord, on redresse le buste et les épaules et on fait ça pendant une petite minute. Pour les autres, on va prendre l'air, d'accord, on peut faire la session d'entraînement tout à fait à l'extérieur, on a outdoor sans aucun problème. Une fois qu'on a fait ça, on part sur les pompes, les push-ups. Donc, on va chercher à placer les mains un petit peu plus large que la ligne des épaules. On va se mettre en appui sur les orteils pour avoir la bonne position, d'accord. Une fois que je suis en planche, je vais poser les genoux au sol, je vais fléchir les coudes et descendre la poitrine entre les mains. Je pousse sur les paumes de main et je reviens en position de départ, d'accord. Très simple pour la partie échauffement, 8 répétitions. Pour ceux qui manquent un petit peu plus de force au niveau des pompes, il suffit de réduire tout simplement l'amplitude, ok. Deuxième exercice, on va passer cette fois-ci sur le dos. On va activer les abdos. Donc, on va ouvrir les genoux, on va rapprocher les talons des fesses. Je vais chercher à me grandir ici. Je vais hop, relâcher le bas du dos, relâcher la tête et poser les mains au sol et faire le chemin inverse. Je me redresse, d'accord. Les mains touchent le sol ou les orteils. Je contrôle la descente et je vais chercher à souffler et à remonter. Même chose, on fait tout à 8 répétitions. Troisième exercice, on va passer au walking lunge, des fentes, d'accord. On rappelle, petit rappel au niveau des fentes, 90 degrés devant, 90 degrés derrière, c'est le genou de la jambe de derrière qui va en direction du sol, et je pousse sur la jambe de devant, d'accord, pour activer le mouvement. Sur les walking lunge, c'est des fentes marchées, donc on va chercher à se déplacer tout simplement. On en fait 8 au total, je vais inspirer sur la descente et je vais souffler, je vais remonter. Une fois qu'on a fait nos fentes, on se met en position de squat, on tourne légèrement les orteils vers l'extérieur, je pousse le creux de la manche vers le bas et vers le sol et je vais chercher à me redresser. Je vais inspirer sur la descente et je vais souffler, je vais remonter. Une fois que j'ai fait mes 8 air squats, je vais passer sur les split box. Un pied sur la box, un pied au sol, je vais pousser sur la jambe et je vais alterner une fois à droite, une fois à gauche. Je cherche à garder le pied en entier, d'accord, pour chercher à guider, pousser mon talon sur la box. Donc même chose, 4 droite, 4 gauche. Ensuite, on prend sur le dos, petit travail au niveau des abdos. Je tends les jambes, je ramène les bras derrière, je pose la tête et je vais chercher à décoller le haut des épaules, d'accord, et à redescendre. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Pour ceux qui sont un petit peu plus à l'aise, on peut chercher à tendre un peu plus ses jambes, se mettre en position de holo. On va faire le mouvement de verre complet. Je ramène les jambes et les bras et je redescends. Ok. Donc, même chose, si vous sentez que vous commencez à cambrer au niveau du bas du dos, gardez les jambes beaucoup plus tendues ou ramenez les genoux à la poitrine, ça vous permettra de stabiliser davantage le bassin. Et on finit le dernier exercice. On ne pouvait pas faire cet entraînement sans faire des burpees pour faire monter le cardio. Donc, on va se mettre position des pieds ancrée comme une position de squat. Je vais poser les mains au sol, je vais amener un pied après l'autre, je pose les genoux, je pose la poitrine et je fais le chemin inverse. Je ramène un pied après l'autre et je remonte. D'accord, on peut tout faire, d'accord, très simplement, un pied après l'autre. Je descends, hop, je souffle et je remonte. Si on est un petit peu plus à l'aise, les deux jambes,
deux jambes à l'aller et au retour. Ok. La dernière petite chose qu'on peut rajouter si on est en pleine forme, eh bien, je vais chercher à être ici, je vais pousser sur les jambes et je vais amener les mains au-dessus de la tête. D'accord. Un jump et les mains au-dessus de la tête. Donc, on a fait, on a vu tous les exercices, les 8 exercices. La course à pied, on part pour un 200 mètres. Vous suivez le chemin, la liste, d'accord, des différents exercices. Vous faites 8 répétitions, très simple. Vous faites ça 3 tours, vous faites ça 3 fois de suite, d'accord, pour bien vous mettre en jambes et bien vous échauffer au niveau musculaire. Et ensuite, du coup, on va attaquer le WOD. Alors, le WOD, il est toujours structuré de la même façon. On a un exercice et ensuite, on a la partie run, la partie course, d'accord. Exercice court, etc. Donc, je vais vous proposer plusieurs options parce que forcément, 800 répétitions, 2,8 km, c'est dur, ok. Ce que je vous propose, du coup, si vous démarrez, si vous découvrez ma chaîne, vous n'êtes pas hyper sportif et vous voulez vraiment vous lancer, commencez par faire la version un peu plus cool, d'accord. C'est de chercher à diviser tout par deux, ok. Donc à chaque fois qu'il y aura un nombre de répétitions sur la partie musculaire, vous le divisez par deux. Et sur la partie course, au lieu de faire un 400, vous me ferez un 200, ok. Donc on va commencer. On démarre par burpees. On va démarrer par 50 burpees, d'accord. Celui qu'on a fait en dernier. Poitrine au sol, on décolle les pieds et les mains au-dessus de la tête. Donc soit 25, soit 50. Une fois qu'on a fait ça, on enchaîne la partie course, 200 ou 400. Deuxième exercice, les sit-ups, d'accord, 50 ou 100. Ensuite, on attaque la partie run. Troisième exercice musculaire, les walking lunge. Il y en a 150 ou 75 si vous prenez l'option. On enchaîne de nouveau 200 ou 400. Ensuite, on a nos 200 répétitions de air squat ou l'option 100 air squat. Et ensuite, on redescend du coup dans la pyramide. On a les split box, d'accord, 150 ou 75. Ensuite, les 100 répétitions de V-up pour les abdos. Et on termine de nouveau avec nos fameuses burpees 50 ou 25. Voilà, donc un gros, gros challenge. J'attends de vous de me mettre dans les commentaires déjà un petit like, d'accord, si vous appréciez l'entraînement et surtout savoir un petit peu comment vous avez géré l'entraînement, combien de temps vous avez mis aussi pour faire cet entraînement. Je suis curieux. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait le format light ou le format complet. En tout cas, amusez-vous, profitez, prenez soin de votre santé, entraînez-vous régulièrement et je vous garantis que vous allez voir les résultats sur votre physique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Amusez-vous bien et puis à très très vite. Allez, salut!